Salut, moi c'est Yann des Fils Monkey. Salut, moi c'est Seb des Fils Monkey. Aujourd'hui, on va vous présenter le gars qui nous fait le son. Salut, moi c'est Bichon des Fils Monkey. Bichon, B-I-C-H-O-N. 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 Donc moi je fais le son des Fils Monkey. Ah bah oui, 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 oui. Pour sonoriser les Fils Monkey, c'est extrêmement simple, mais un petit peu compliqué. Donc je vous présente, pour la grosse caisse, le Beta 91A. Oui, ah bah oui, oui. Alors ça marche hyper bien pour les grosses caisses, et normalement on met... Voilà, normalement on le met là. Puis du coup, bah là je le mets là. Voilà. Pour les tomes, j'utilise des Beta 98. Très pratique, parce qu'il y a des petites pinces qu'on accroche aux tomes comme ça. Bah, du coup, comme je peux pas, ben, je les ai mis comme ça, là, tu vois. Pour les overheads, je vous présente le Beta 181. Ça, c'est un véritable condensé de technologie. Oui, 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 oui. Alors, les overheads, d'habitude, on les met comme ça, là, pour faire un très joli son. Mais, bon, là, le Light, il a pas trouvé ça joli, donc, bah, du coup, je les ai mis comme ça, quoi. Voilà. Pour sonoriser leur voix, j'utilise un micro MX 185 avec un émetteur Shure UR1. Il est venu le temps des cathédrales. Cravate. Cravate. Voilà. Donc ça, c'était le parc micro Shure des Fils Monkey en tournée. Allez, de nouveau en tournée, ouais. Allez, bisous câlin. Bisous câlin.